Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous corrigeons une autre question du concours d'entrée en classe de seconde, Institut islamique de Dakar. Donc, ça, c'est le concours de 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici dans ce calcul dans R? On vous demande simplifie chacune des expressions suivantes, l'expression A et l'expression B, avec A égale A, racine de 3 plus racine de. Racine de 2 plus racine de 3 au carré, le tout à la puissance 2023, multiplié par 5 moins 2 racine de 6 à la puissance 2023. Et B, c'est racine de 3 moins racine de 5 plus racine de 5 plus 3, racine de 5 plus 3 au carré. Alors, cette question, donc ces deux questions-là sont notées sur 3 points. Donc vous pouvez essayer avant de voir la solution proposée ici. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Donc on va développer, n'est-ce pas, pour A et B. On a donc A qui est égal à racine de 3 plus racine de 2 plus racine de 3 au carré à la puissance 2023 multiplié par 5 moins 2 racine de 6 à la puissance 2023. Bien là, on développe à l'intérieur racine de 2 plus racine de 3 au carré. On sait que d'après les identités remarquables, c'est racine de 2 le tout au carré plus 2 racine de 2 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré, le tout à la puissance 2023, multiplié par 5 moins 2 racine de 6 à la puissance 2023. Et maintenant, nous savons que si A et B sont positifs, racine de A fois racine de B, c'est racine de AB. Ainsi donc, racine de 2 fois racine de 3 va nous donner racine de 6. Donc, ici, on obtient racine de 2 au carré, c'est 2. 2 racines de 6 plus 3 à la puissance 2023 que multiplie 5 moins 2 racines de 6 à la puissance 2023. Ce qui nous donne 5 plus 2 racines de 6 à la puissance 2023 que multiplie 5 moins 2 racines de 6 à la puissance 2023. Alors, maintenant, on va utiliser la propriété qui nous dit A à la puissance n fois B à la puissance n est égal à AB à la puissance n. Pour obtenir 5 plus 2 racines de 6, facteur de 5 moins 2 racines de 6, le tout à la puissance 2023. À l'intérieur du crochet, nous avons la forme A plus B, facteur de A moins B. On sait que ça donne A au carré moins B au carré. Donc, ça va donner 5 au carré moins 2 racines de 6 au carré, le tout à la puissance 2023. Alors, ce qui va donner donc 25 moins 2 racines de 6 au carré, ça va donner 4 fois 6. 4 fois 6, c'est 24. Donc, moins 24, le tout à la puissance 2023. Ce qui nous donne donc 1 à la puissance 2023, qui est égal à 1. Ainsi, A est égal à 1. Bien, maintenant, occupons-nous du B. B, on sait que c'est racine de 3 moins racine de 5 plus racine de 5 plus 3, le tout au carré. Alors, ça c'est égal à, donc, racine de 3 moins racine de 5 au carré, ça va nous donner tout simplement 3 moins racine de 5, plus 2 fois AB, comme on a utilisé la propriété racine de A fois racine de B, c'est racine de AB. Donc ici, avec A égale à 3 moins racine de 5 et B égale à racine de 5 plus 3. Donc ça va nous donner 2 fois ici, voilà, on développe l'identité remarquable, 2 fois. On utilise l'identité remarquable A plus B au carré, donc c'est 2 fois racine de AB. Donc, on remplace A par sa valeur, c'est
3 moins racine de 5, facteur de racine de 5 plus 3, ensuite plus b au carré, c'est-à-dire plus racine de 5 plus 3. Alors, ceci donne, on va 3 plus 3, on sait que c'est 6. Les racines de 5 se simplifient. La moins racine de 5 plus racine de 5, c'est 0. Donc, ça va donner 6 plus 2 fois racine de. À l'intérieur du radical, nous avons la différence de 2 carrés. C'est 3 moins racine de 5, facteur de 3, plus racine de 5. Donc, ça va donner 3 au carré, c'est 9. 9 moins racine de 5 au carré, moins 5. Donc, finalement, on obtient 6 plus 2 racine de 4. Ce qui nous donne 6 plus 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4. Donc, c'est 6 plus 4. Et ce qui donne 10. Par conséquent, B est égal à 1. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.